Comment débloquer la Dead Star? Eh bien, c'est assez simple, vous devez aller au deuxième étage dans le grand temple de Yavin, à l'endroit que vous me voyez en ce moment. Donc du coup, il va vous falloir avoir fait aussi l'épisode 4 au complet, et la plupart de la trilogie parce que vous aurez besoin de Coruscant. Une fois fait, il faudra parler à l'ingénieur rebelle au deuxième étage, comme je vous ai dit. Si jamais vous ne le trouvez pas au deuxième étage, eh bien, vous allez pouvoir voir à 4 minutes 20 environ le chemin du spawn jusqu'à lui, pour savoir où le trouver, mais voilà. Par la suite, vous faites le chemin jusqu'à Coruscant, vous devrez aller jusqu'au Sénat, parce qu'il y a le bureau du Grand Moff Tarkin, où on va vous dire justement que les plans ont été volés. Donc, à ce moment-là, vous allez devoir retrouver le voleur à travers Coruscant. C'est assez simple, vous allez voir à travers le gameplay où il se trouve, et celui-ci, une fois que vous l'avez trouvé, vous pourrez lui parler, mais il va s'échapper pour aller justement dans un TSTT, et ça sera un combat de boss que vous allez devoir faire, vous allez devoir éliminer le TSTT. Moi personnellement, je n'arrivais pas à l'éliminer avec des sabres laser, je lançais des grenades et ça faisait énormément de dégâts, c'est tellement une tactique que je vous suggère si jamais vous avez de la misère avec celui-ci. Si jamais les grenades sont avec la classe des vilains, hein, donc voilà. Donc, une fois qu'il sera battu, eh bien, il va vous donner les plans et vous pourrez retourner sur Yavin, parler à l'ingénieur, et voilà, vous pourrez débloquer la Dead Star. Celle-ci, dans votre menu des vaisseaux amiraux, coûte 5 millions de pièces. Donc voilà, prévoyez cela. Si jamais vous avez besoin de pièces, eh bien j'ai sorti une vidéo hier pour vous montrer quelques moyens de farm, pour farmer quelques studs que vous pouvez faire. Donc allez la voir si c'est pas déjà fait. Et voilà, une fois que c'est fait, eh bien vous pourrez aller dans l'espace, vous pouvez appeler l'étoile de la mort 1, c'est bien sûr juste la 1 que je vous montre en ce moment. J'ai pas encore fini l'épisode 6, donc on verra pour la 2. Puis voilà. Quoi faire avec la Dead Star? Eh bien, ça vous sert à trouver quelques briques à beurre. Dans la Dead Star, il y en a plusieurs. Elle est très grande, donc vous avez plusieurs niveaux à explorer. Vous avez des puzzles, des casse-têtes à faire là-dedans. Vous avez des personnages que vous pouvez débloquer, des véhicules. Donc, allez-y à fond. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, c'est pas juste un véhicule pour le fun, là. Non, non, non. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avec la Dead Star, donc ça fait plaisir. Donc, voilà. C'est pas mal tout. J'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions, eh bien, regardez le gameplay à nouveau pour être sûr, mais je suis là aussi pour répondre à vos questions en commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On continue le live sous peu, donc ne manquez pas ça tantôt. Puis voilà, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous, et comme toujours, il veut que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Et vite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis tout à fait honnête. J'ai même jamais entendu parler de Grand Moff Tarkin ou des plans d'étoiles du remords. Et loin de moi l'idée de les vendre à des pirates de l'espace. Quoi encore? Tu m'accuses de mentir? Ça me fait de la peine. Tu heurtes mon amour propre avec ce que tu dis là. Mais si tu me laisses pas partir d'ici, c'est toi qui vas le souffrir. Je file d'ici. Prends ça. Prends ça. Il te plaise, ces plans? Oh, voyons à quoi sert ce... Ah, les plans! Parfait! Sans eux, l'Empire ne pourra plus fabriquer d'étoiles de la mort. Enfin, à moins d'en recevoir une nouvelle. Franchement, savez-vous? Maintenant que les plans sont entre nos mains, vous pouvez les utiliser. Je ne sais pas ce que vous feriez d'une station de combat capable de détruire des planètes entières, mais ça ne regarde que vous. Ah!
Ce vaisseau a un nouveau gérant. Alors les anciennes boîtes à suggestion ont été expulsées dans l'espace. Merci de votre contribution. Suite à l'incident tragique de l'an dernier, impliquant un port.